Nous sommes à 64 km de Nyuzu Centre, au village Mitamba, au territoire de Nyuzu, dans la province du Tanganyika. Ici, un pont de 12 mètres de portée et 4 mètres de large, reconnu au nom de Luizi, est jeté à la rivière qui porte le même nom, à la route qui mène vers Kabalo. Il a fallu seulement 2 mois d'exécution par le maître d'œuvre local pour voir cette facture d'espoir des passants renaître. Cette tronçon routier qui relie Nyuzu et Kabalo, qui a été abandonné à son propre sort depuis 1997, aujourd'hui, grâce au financement des programmes alimentaires mondiaux à son département logistique, sous l'exécution de l'Association des agriculteurs sans frontières AACF en sigle, cette route, dont les usagers étaient obligés de faire un long voyage en déviation, commence à voir l'espoir de renaître. Les travaux qui ont consisté non seulement des ponts Luizim, mais aussi des dallons de 6 mètres de longueur et 3 mètres de largeur sur le même tronçon. Pour le mardi 20 novembre 2018, une équipe de AACF, conduite par son coordonnateur national, Alexis Mboum Kazem, ont palpé du doigt le déroulement de différents travaux en exécution et voir ce qui reste à faire.